Vous êtes à nos places. En fait, mon mari est vraiment malade en transport et c'est mieux s'il reste dans le sens du train. Si je vomis, ce sera rigolo pour personne. J'ai vu qu'elle était disponible. Elle n'était pas du tout disponible, Fabien. Pas du tout. Elle était réservée depuis des mois par monsieur et madame Zousklou. Zatiska. Je croyais que c'était un bug informatique avec toutes les consonnes. Bonjour, je m'appelle William. Qu'est-ce que tu fais? Mes équations. J'aime aussi les sudoku, j'aime... Montre. Les deux abrutis du train, ils sont là. Respire. Il est parti. Il est parti? Oui. Eh mais c'est des grands malades. T'es allergique aux enfants? L'amour avec un grand A, c'est... Une femme avec un beau décolleté. Vous, vous connaissez? J'ai deux passions dans la vie, la bouffe et le sexe. La bite. D'ailleurs, je suis restauratrice. Et maintenant, chanson typiquement russe. William proposait de vous offrir l'apéro. Que... On peut pas. Si on peut. Allez. Ah, il est pas mal, lui, non? En tout cas, il est drôle. Oh, Élise est pas là? Non, elle a une porte-palette du bateau, elle l'avait oublié en réservant. À notre voyage de noces, t'avais pas le mal de mer. Mon arme fatale de séduction, je crois que c'est les mathématiques. Tu peux en faire, si tu veux, toi et moi. Il y a quelqu'un? Oh oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là! Le... Mais il est homo, c'est évident. Hein? Quoi? Putain! C'est pour ça que je me suis laissé pousser la moustache. Hein. Et Freddie Mercury? Il n'avait pas la moustache, peut-être? Freddie Mercury est homo?